J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo DIY de Noël. Il va y avoir plusieurs vidéos sur le thème de Noël jusqu'au 25 décembre, donc j'espère que vous êtes prêtes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une étoile lumineuse et une décoration murale lumineuse. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour le premier DIY qui est donc l'étoile lumineuse, vous allez avoir besoin de 5 bouts de bois ou 5 brindilles ou 5 bâtons, ce que vous avez sous la main, ce que vous voulez, du fil de laine blanc, des guirlandes à LED et ensuite de petites décorations. Après vous choisissez vraiment ce que vous avez envie, mais moi j'ai pris une étoile. Ensuite je vais prendre mes petits bouts de bois, mes petites brindilles et je vais positionner un petit peu tout ça pour voir un peu ce que ça donne mon étoile, pour voir où je vais devoir accrocher mon étoile, à quel endroit il va falloir que je mette du fil pour que tout ça tienne. Voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Ensuite, je vais prendre mon fil de laine et je vais me découper plusieurs petits bouts pour pouvoir consolider mon étoile à chaque extrémité. Donc là vous voyez en fait je garde deux bâtons, deux branches en fait de mon étoile. Je vais faire un double nœud sur la première branche et ensuite je vais prendre la deuxième branche que je vais fixer avec en fait pour faire ensuite un autre double nœud et pour que mon étoile se tienne bien. Je viens couper les petits fils qui dépassent pour que ça fasse le plus joli et le plus net possible. Et ensuite, je vais recommencer cette opération-là sur toutes les branches, sur toutes les pointes de mon étoile. Voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais prendre du fil et je vais venir fixer en fait au centre de mon étoile pour que vraiment les branches se tiennent bien et que rien ne bouge et que ce soit très stable. Ensuite, je ne vous ai pas montré parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais c'est exactement le même principe pour les deux branches qui restent. C'est vraiment pas compliqué du tout, il suffit juste d'assembler une branche à celle qui est déjà en place et de faire un nœud, de faire un double nœud, de faire le tour pour consolider tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment pas compliqué.
Voilà, mon étoile est à peu près terminée. Voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, au centre, les deux parties se séparent. Donc, je vais rajouter du fil et faire un nœud aux deux endroits où je vous montre pour consolider un petit peu tout ça. Mais en gros, le plus gros est fait, le plus dur est passé et après, ça va aller très très vite. Ensuite, je prends ma guirlande à LED, ma guirlande lumineuse, et je vais venir l'enrouler tout autour de mon étoile, sur chaque branche, au centre. Je vais croiser un petit peu tout ça pour qu'il y ait un jeu de lumière et que ce soit assez sympa après quand on va l'allumer. Pour fignoler l'étoile et pour que ce soit encore plus joli et qu'on voit un petit peu tous ces fils métalliques, j'ai décidé donc de rajouter du fil blanc tout autour de mon étoile. Je vais enrouler tout ça tout autour de mon étoile comme je l'ai fait avec la guirlande lumineuse et je trouve que l'effet est vraiment très sympa. Il me reste plus qu'à coller sur mon étoile ma petite décoration en écorce de bois. Là, j'avais envie de mettre une étoile, mais j'aurais pu mettre autre chose. Et je trouve que ça rajoute un petit côté nature que j'aime beaucoup. Et donc voilà pour le premier DIY. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à me taguer aussi pour me dire si jamais vous l'avez fait. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Pour le deuxième DIY qui est vraiment très simple aussi mais peut-être un petit peu plus long à faire, vous allez avoir besoin de cercles en cuivre ou en bois, ce que vous avez sous la main, du fil de laine blanc toujours. Ensuite, j'ai pris toujours ma petite guirlande lumineuse et quelques décorations en bois naturel ou en bois blanc. Pour commencer ce DIY, je vais prendre donc mon fil de laine blanc, je vais faire un double nœud et je vais enrouler ce fil tout autour de mon cercle en essayant de serrer un maximum pour pas qu'on voit en dessous le cuivre. Donc là, c'est la partie la plus chiante de ce DIY et qui prend le plus de temps parce que vraiment faire le tour de ce grand cercle, ça prend quand même pas mal de temps. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire la même chose sur le petit cercle. Donc là, ça prend un petit peu moins de temps. Et ensuite, je vais assembler ces deux cercles-là au niveau du bas. Voilà, je vais mettre le petit cercle dans le grand. Et je vais prendre toujours du fil de laine et je vais venir enrouler du fil tout autour pour bien fixer le petit cercle au grand cercle. Voilà ce que ça donne à peu près pour l'instant. Donc ensuite, il reste plus qu'à prendre la guirlande lumineuse et à l'enrouler tout autour des cercles pour créer un joli effet, un joli jeu de lumière ensuite avec les petites décorations qu'on va venir coller. Je vais prendre mes petites décorations et je vais faire des tests. Je vais voir à peu près où je vais placer, où je vais coller mes petites décorations. N'hésitez pas à faire ça avant de les coller. Ça vous permet de bien voir ce que ça va donner ensuite parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard.
voilà ce que ça donne, les résultats finaux pour ce deuxième DIY de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat et j'aime beaucoup l'effet que ça donne le soir une fois que toutes les lumières sont éteintes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, les filles, ce que vous pensez de ce DIY. N'hésitez pas à me taguer et à me dire si jamais vous les reproduisez. Et puis, on se retrouve très très vite, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. À très vite, les filles. Ciao!